ainsi que l'amélioration de l'environnement de l'investissement en Égypte. Med Abrahim était sur place. Docteur Sahar Nasr, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, a tenu une réunion élargie avec un nombre des hommes d'affaires et des investisseurs afin de discuter de leurs plans à venir pour intensifier le taux d'investissement, mais aussi résoudre les obstacles et les problèmes face à leurs projets en Égypte. Une réunion très importante. Les efforts du ministère de l'Investissement sont toujours en cours afin de résoudre les problèmes et les défis affrontant les hommes d'affaires et les investisseurs en Égypte. Durant cette rencontre, on a mis l'accent sur plusieurs sujets et plusieurs dossiers concernant la loi de l'investissement et la facilitation des emprunts présentés aux jeunes investisseurs. Donc, c'est une discussion très profitable qui sera tenue chaque mois avec Son Excellence la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale. Durant la réunion, Dr Sahar Nasr, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, a mis l'accent sur les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour encourager l'investissement et de fournir un environnement sûr et attirant pour les investisseurs arabes et étrangers. Nasr a également présenté le plan du ministère dans la période à venir et les mesures nécessaires prises pour améliorer l'environnement des affaires afin de réaliser le développement et la relance de l'économie égyptienne. Le secteur d'affaires et d'investissement viennent en premier lieu dans l'agenda des priorités du gouvernement égyptien. Tous les ministères travaillent ensemble pour attirer les investissements et encourager le secteur privé. Autant que ministère d'investissement et de coopération internationale, on va travailler dans la période à venir à fournir un environnement sûr afin d'encourager les hommes d'affaires et les investisseurs. Et cette rencontre est une bonne occasion pour examiner les problèmes et les obstacles affrontant les investisseurs. Et on va discuter de ces défis et on va essayer de les résoudre et de mettre en œuvre des solutions efficaces. Une réunion importante tenue par le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement égyptien afin de résoudre les problèmes et les obstacles affrontant les hommes d'affaires et les investisseurs en Égypte, mais aussi pour fournir un environnement sûr et attirant pour les investissements arabes et étrangers. Nada Ibrahim pour l'ITV International.